Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la piste de Donington Park. Nous sommes aujourd'hui sur la version nationale du tracé dans Assetto Corsa pour tester une pseudo Formule 1 routière apparue il y a de cela 10 ans. Cette Caparo T1 est assez démentielle puisqu'elle a un rapport poids-puissance assez intéressant, 550 kg sur la balance pour 570 chevaux, une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Bon, à 0 à 100, un peu flemmard parce qu'elle est légère, il faut quand même 4 secondes 6, c'est beaucoup. Vraiment un coup de pied au derrière quand on pilote cette voiture, beaucoup de travers en prévision, beaucoup d'appui évidemment en courbe, on le serait à moins avec une voiture aussi bien profilée, une voiture qui avait fait la polémique à l'époque puisqu'elle était notamment passée en présentation dans Top Gear, une voiture qui prenait feu, qui a brûlé Jason Plateau dans l'émission Fifth Gear également. Donc beaucoup de problèmes de fiabilité et un succès très restreint au niveau de la commercialisation puisqu'elle n'a finalement pas eu l'obtention qu'elle devait avoir pour être utilisée sur la route et elle était surtout extrêmement cher. Aujourd'hui, ça vous coûtera beaucoup moins cher de pouvoir prendre son volant puisqu'elle est gratuite en téléchargement dans la description, tout comme la piste de Donington Park. En tout cas, je vous laisse profiter de la réalisation de cette voiture qui est plutôt correcte, même si c'est assez grossier dans certaines parties de carrosserie au niveau des reflets, mais sinon le body kit est correct au niveau de la physique du force feedback. On est proche de ce que propose une monoplace avec beaucoup d'appui aérodynamique.